C'est vraiment un événement essentiel pour la vie béglaise. Ça ressemble un petit peu à des fêtes du sud-ouest, mais pimentées avec des ingrédients béglés, puisque c'est la fête de la morue, puisque à Bègles, finalement, on honore aussi un passé morutier, donc de cette ville ouvrière. Et donc là, voilà, c'est l'occasion aussi de faire une fête après une période qui a été compliquée. Et pour ces 3 jours, il y aura une programmation avec une coloration évidemment espagnole, avec beaucoup de flamenco, de la musique gypsy, des bals, comme je le disais. Et puis aussi, je dois dire que c'est aussi une fête où on soutient aussi les associations via des espaces de restauration partagée, puisqu'il y aura 27 associations qui seront là, avec des bénévoles qui pourront proposer des plats à base de morue, mais pas seulement.